janvier 1972, le programme XM815 est défini en partenariat avec l'Allemagne de l'Ouest pour remplacer le char M60 qui était devenu totalement obsolète face aux chars de nouvelle génération soviétique, surtout comme le T-64 qui avait creusé un net fossé avec ce même char M60 notamment. Au final, l'Allemagne de l'Ouest et les Américains n'arriveront pas à s'entendre et auront des divergences de vues quant à la finalité de ce char et aux objectifs définis pour fabriquer ce char. Donc ils vont se séparer et créer chacun leur propre projet, donc qui deviendront le Léopard 2 pour les Allemands de l'Ouest et qui va donner donc naissance au M1 Abrams pour les Américains. Au cours d'un voyage d'information en Grande-Bretagne, le major général De Zobry apprend l'existence d'un nouveau type de blindage composite, appelé Burlington par les Britanniques. Oui oui, comme les chaussettes. Il sera nettement plus connu ensuite sous le nom de Chobham, qui est un blindage en fait très efficace contre les charges creuses, bien plus efficace que le simple blindage acier, quelle que soit l'épaisseur d'ailleurs de l'acier, pour contrer ce type de charge. Il devait originellement équiper une toute nouvelle version du char anglais Chieftain, le Mark V, pour une commande spécifique de l'Iran. Cette version se serait appelée Shir, qui veut dire lion en farsi. Ça ne s'est pas fait pour diverses raisons, qui n'est pas le sujet ici, on ne va pas partir sur un autre sujet, mais les Britanniques se sont servis des travaux de développement et le Shir a fini par être rebaptisé Challenger, donc le Challenger 1 anglais, bien connu et qui actuellement a été évolué en Challenger 2 et qui équipe toujours l'armée anglaise. Donc, après d'âpres et longs débats, le général Abrams, qui était alors chef d'état-major adjoint, parvint à imposer le Chobham pour la protection supérieure qu'il offrait, alors que le poids prévu pour le char était largement dépassé du fait de ce nouveau blindage, puisqu'il passait à 53 tonnes au lieu des 47 tonnes maximum originellement prévues. Le premier char de série sort en février 1980 et est baptisé Abrams en l'honneur de ce général décédé entre-temps. Pour info et pour ceux qui ne le connaissent pas, Abrams, qui était alors lieutenant-colonel, a commandé le 37e bataillon de chars en pointe de la 4e division blindée jusqu'en 1945. Il s'est particulièrement illustré lors de la bataille de Bastogne, attirant les louanges du général Patton notamment. Le M1 est originellement équipé d'un canon de 105 mm, bien moins efficace que le canon 120 mm Rheinmetall du Léopard 2 allemand. Le développement du futur M1A1 et son canon de 120 mm prenant beaucoup de temps, puisqu'il ne sera mis en service qu'en 1987, une nouvelle version du M1 voit le jour en 1985. Il sera dénommé IPM1 pour Improved Performance. Les principales améliorations de cet IPM1 sont une meilleure protection balistique frontale de tourelle, un panier de rangement en nuque de tourelle plus importante, et là en l'occurrence sur la photo on s'aperçoit qu'ils servent plutôt pas mal, des nouveaux amortisseurs de suspension, mais il reste donc toujours avec son canon de 105 mm. Il faut savoir qu'il y aura eu 3268 chars M1 et IPM1 fabriqués avant le M1A1. Fire.